Bonjour. Alors, je viens de vous écrire un petit poème qui parle de la création. Alors, c'est un sujet que j'ai pas encore abordé. Euh, la création, c'est vaste. C'est euh, ça. Ça parle de, de de ce dont nous sommes issus. On a été créé, façonné. De et justement, j'en fais j'en J'en parle dans dans l'introduction de mon de ma di de ma petite dissertation et euh, je voulais à ce propos euh, dire que euh, y a maintes et maintes choses à dire et j'ai j'ai pas assez de ma vie pour faire tout ce que j'ai à faire donc euh, là j'en ai fait quatre poèmes aujourd'hui donc euh, c'est le quatrième donc on va commencer par la création la création nous sommes issus de cette élaboration et de plus, cet univers est mon domaine de prédilection, car s'ouvrir sur le monde et être curieux de la vie, telle est ma philosophie. La création a besoin de sensations, d'émotions et d'une vision globale du projet, avec un brin de subtilité et d'innovation pour parfaire cette édification en fonction de la génération. Créer et mener à bien un projet structuré est une ambition passionnante et sans prétention. Et il n'appartient qu'à nous de faire de la création une récréation, car l'art a besoin de vivre pour laisser s'exprimer son support qui est en alchimie avec l'intelligence, qui donne tout son pouvoir aux virtuoses, car il est en osmose avec l'atmosphère, qui est en accord avec son savoir-faire. Alors j'espère que ça vous a plu, parce que ça a été intuitif, j'ai peu réfléchi parce que je pense que ça peut être bon. Alors, euh, je donne libre cours à votre imagination euh, pour, euh, pour ponctuer euh, s'il y a des choses à dire. Et donc, euh, je suis preneur. Je vous souhaite à tous une bonne continuation.